Jeudi, c'est lundi, nous vivons lundi 4 mars 2024. Bonjour, bonsoir Haïti, tous les amis compatriotes, toutefois accès collaborateurs qui connectent nous dans tous 10 départements paysans. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnels qui suivent nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, tout fidèle branché plateforme ça. Moi content ensemble avec aussi ou la caillou dans travail dans la rue quel que soit côté ou suivre Chanel ça moi saluer c'est yo chaîne plaisir qui m'a connait under focam pour me rentrer la caillou pour partager avec toute nouvelle toute information qui a bouleversé la bille pays d'Haïti ou à l'étranger. Nami croise amis, serviteurs, merci Dieu, toute équipe là à la Ronde Badet déjà mobilisée. Nous portons pour le journal Mega Matin, Mega, c'est Pigou Réseau Radio Haïtien gain sous la Tébéni avec staff nouvelle là. Information yo sous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 4 mars 2024. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. C'est pour me paraître journal Méga. Matin qui rentre la caillou. C'est tout un plaisir pour toute équipe là. Pour tes informations qui a dominé l'actualité. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a fait manœuvre technique. Micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère avec Daniel. Daniel, bonjour, messieurs. Bonjour, Jean-William Sévère, Marcel Joseph, amis, tout partout dans quatre commodes là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Antenne Radio Mega. Mais quelques principales informations n'a pas pour développer dans le journal la matin, week-end tête chargée dans la capitale là. Bandit crasé prison pénitentiaire nationale à Croix-des-Bouquets. Environ 7000 prisonniers évadés dans la rue des centres carcérales saint yo. Dans le pénitentiaire national, autorité au déplacé avec RS prisonniers yo qui étaient sitôt colombiens qui allaient dans des CPJ. C'est sous demande du ministère des Affaires étrangères colombien. Autorités haïtiennes ont obligé de protéger les Colombiens et tous les diplomates colombiens qui n'ont pas payé. C'est plus passé une trentaine de cadavres prisonniers qui gagnent dans la ville, surtout dans la zone de prison pénitentiaire nationale, là, après Zakia. Il y a un gouvernement qui réagit à travers un communiqué sans pas de chiffres. Autorités ont salué courage policiers qui ont tenté contre les carrés gangs. Disposition à prendre pour arrêter, évader, toujours selon communiqué. Si là. On a avec Zami, on prend contrôle commissariat police. Cabaret et puis mettez 10 faits là-dedans là, hier dimanche là. Attaque c'est la cause. Puis le monde blessé avec balle et puis divers autres courir quitter la caillou pour aller prendre refuge dans la commune la caillou. Le gouvernement déclaré état d'urgence avec couvre-feu sous tout le département l'ouest pays. À partir hier dimanche là jusqu'à mercredi 6 mars, cap vini là. Il était dit pour le monde si qu'il est dans la capitale là, sorti 6e à soir pour 5h dans le matin. Nous devons rappeler tout ça qui a passé pendant Ariel Henry, pendant le pays, c'est ministre économie et finance là. Qui a Boisvert, lui-même qui gagne contrôle pays et qui lui-même qui signe communiqué si là. Ambassade américaine m'a dit tout américain qui quitte pays par moyen privé ou bien commercial. Tout rendez-vous ambassade d'a pour jeudi jusqu'à mercredi annulé. En fait, nous dit américaine là, il s'est campé tout vol lié sur Haïti depuis hier dimanche là jusqu'à journée lundi 3 mars 2024. La situation tête chargée ça qui gagne d'un pays pour ces CARICOM renvoyer rencontre qui te prévoit à fête avec divers acteurs politiques dans le pays Jamaïque 5 à 6 mars cap vini là sous un dossier Haïti. Amis auditeurs, c'est point ça yo ak divers les autres qui pourraient faire essentiel journal la matin, mais pas oublier dans différents week-ends, même si nous connaissons pas facile, n'a bien pour traverser. On a tenté quand même, n'a bien pour aller en bas la ville là, surtout oui. Pour nous garder comment ça y est matin. Est-ce que il y a une possibilité pour nous traverser en bas la ville là et connaître quoi des bouquets pendant tout week-end là on est avec exemple tap et Banda également, nous avons gagné pour nous passer dans le coin des bouquets pour nous connaître comment ça y est matin. Nous avons gagné pour nous porter pour le week-end capsule santé, amis auditeurs, Red Brush et Naptoumé. Nous connaissons au Pajam Raté, rubrique traversé dans le journal, amis auditeurs. J'en ai annoncé ça. Notre titre journal là, yon week-end qui a très chargé avec information, notamment question insécurité qui continue à dominer l'actualité. Dernier jour, ça y ben gagné deux prisons qui pendant week-end bandit attaqué et ça qui la cause un pile prisonnier arrivé à sauver.
yon la dan yo, c'est pénitencier national qui te subi à ce gang yo, qui te facilité en pile gros chef bandit sorti. C'est seulement 99 prisonniers qui te rete sous environ 4000 qui te présent d'après yon responsable qui te accepté répondre question journaliste qui te visité pénitencier hier dimanche là. Majorité prisonniers qui rete yo, c'est sac malade, cap souffri qui pas ka marcher d'après yon responsable prison yo. Nous invitons à écouter des déclarations des amis auditeurs. 49 ont guéri, donc ce sont des gens qui sont en prison, qui sont malades. Des gens qui sont malades en prison, qui ont souffert, qui sont en prison, qui sont malades. Donc c'est pour que nous avons fait de l'humanité en gros. OK, où est venu la kiti? Voilà, vous tapez écouté une responsable prison pénitentiaire nationale là. Après prisonnier était sorti quitter prison hein, mais pendant toute tentative pour attaquer pénitentiaire nationale là, il y a un responsable dans Sinapoa, il était toujours à lancer SOS pour autorité yo. Colombien yo quitté dans pénitentiaire nationale à cause de dossier Jovenel Moïse là, pas décidé sauver, il aurait été dans cellule yo, mais c'est ça expliqué yo innocent dans dossier ça, il était joignent yo en un job dans mes compagnies CTU pour te venir travailler dans pays d'Haïti qui donc innocent. Il y a peut-être la justice penchée sous dossier par Yoa en côté divers dans Colombie et Sayo. Colombiano, el cual no me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente. Vine a este país a trabajar, a buscar un mejor futuro para mi familia, por el cual fui engañado por una empresa americana que se llama CTU que me engañó y me tiene en esta situación. No me volé porque no debo nada. Estoy viviendo un karma. Solamente Dios sabe lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo y lo que me ha tocado vivir. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara porque soy inocente. Soy inocente ante el mundo. A nadie le debo nada. Muchas gracias. Okay. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Eladio Uribe. Estoy acá en esta prisión. Hasta este momento la prensa se puede dar cuenta cómo es este lugar. Soy inocente. Yo de este lugar, a Haití, vine con una propuesta de trabajo, con una propuesta que me hicieron una empresa americana. Aquí yo no vine a hacerle daño absolutamente a nada. Resulté metido en un complot que ni yo mismo en este momento sé por qué caí en eso. En este momento, como ustedes pueden analizar, como pueden ver, si los dejan pasar para que miren esta prisión. Anoche y porque si por, tú tienes un mensaje para tu familia o tu familia, país, ¿cuál es la mensaje para gracias tu país? Al gobierno colombiano, amigo, a todos los que nos han apoyado, a mi familia, amigo, a todo el mundo, a los que han creído en nosotros. Muchas gracias. ¿Cuántas personas están aquí? Voilà, au tap côté intervention, amis auditeurs, à quelques Colombiens qui n'ont pénitentiaire national à cause dossier Jovenel Moïse, là, dossier assassinat, c'est président Jovenel Moïse. Amis auditeurs, Anoumba ou information, ça toujours concernant Colombien yo, puisque autorité auprès de décision, puis au capable mettre Colombien yo. Yon l'autre côté, ancien soldat Colombien yo qui arrêté Anoumba information. Avec Jovenel, c'est vrai, d'après Gazette Haïti, Gagnon Cholzé,
Maître Robinson Pierre, lui, ce sont la famille, il y a toujours dans prison. Mais Dimitri Era, avec Jean Laguel Civil, Talagé Pierre, Maître Il Maslin, alias Arabe, lui-même Lagé Piel. Nous apprenons tout, dans même cas d'attaque qui est sous prison d'un pays, donc un nègre avec Zam, il a attaqué prison Kouadebouquet, qui lui-même a tout tagué au moins 3000 prisonniers qui sauvaient, quittaient la caillou. Oui, à nous retourner sous Colombie, j'en tape 10 ou l'an, Zamio auditeur, ancien soldat Colombien qui a arrêté dans le cadre d'enquête sur assassinat prison Jovenel Moïse et puis quitté dans la pénitentiaire nationale, il a transféré dans le DCPJ pendant mi-temps journée. Mais hier dimanche, la décision prend à cause d'insécurité, d'après avocate colombien Sayo, maître Nathalie Deliska, fait partie 99 détenus qui étaient dans la prison après évasion massive qui était faite dans la nuit de samedi 2 pour l'ouvrir hier dimanche. Là. Et concernant l'aide, Sinapoa a lancé SOS là pour base 6 mois qui gagne gros menace sous lui. Monsieur bloqué Delma 3, Delma 6, il y a fait un pile manœuvre pour bloquer route piste là pour qu'a metté Basimoa dans mitan pour attaquer direction générale police là pas de prendre menace ça yo à la légère d'après Sinapoa. Voilà, on a toujours été dans question attaque ça yo dans pays à raison avec dégradation sécuritaire notamment dans zone métropolitaine Port-au-Prince là li caractérisé à criminel violence qui a perpétré par nèg avec Zamio qui la cause en pile citoyen obligé déplacer qui et la caillou notamment gagné en pile enlèvement, assassinat des paisibles citoyens, violence qui a exercé sous forme à Tifi dans un pays tenant compte hack qui perpétré dans la nuit de mars 2024 là avec armes contre deux pigres centre pénitentiaire dans un pays la capitale de Croix-des-Bouquets qui la cause gagnant diversement blessés dans la police là et personnel pénitentiaire yo évasion prisonnier qui danger ça yo qui dans capitale là considéré acte qui contrait avec la loi qui constitue un acte désobéissance avec force l'audio qui mettait en péril sécurité nationale. Gouvernement république là, li référé li avec arrêté 3 mars 2024 là, il a déclaré état d'urgence sur tout département l'ouest là pour une période 72 heures renouvelable dans l'idée pour capable rétablir l'ordre et prendre contrôle mesures nécessaires pour capable reprendre contrôle situation dans le pays. Il a décrété couvre-feu sous territoire entre 6 heures du soir à 5 heures du matin. Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et dimanche 3 mars 2024 dans la nuit. Côté Bralgayen, par conséquence, force l'audio, yo gayen comme l'ordre pour être capable d'utiliser tout moyen nécessaire pour permettre la paix rétablie dans l'Ouest pays. C'est Patrick Michel Boisvert, le même premier ministre AI qui s'y est en bas communiqué ça. En nous continuer avec information yo dans journal les amis internautes toujours question prison pénitentiaire national qui crasé gain en pile prisonnier corps yo joine dans entourage pénitentiaire. Mais avant nous praler dans à Kaye, cabaret tout, puisque sous réseaux sociaux, les amis auditeurs, t'es capable de constater et pour prison cabaret, mais bandit attaqué le tout. Ouais. Même j'avais que ça dans Port-au-Prince là. Nous praler avec correspondant nous Pascal Florisil qui parle nous plus de détails sur ça. Si est-ce que le plus information sur un nombre de monde qui victime, puisque nous apprenons, il y a plus de monde qui est à vivre cabaret qui est obligé de y aller dans commune. Akaya, bonjour Pascal Florisil. Et bonjour Wilner Sever, bonjour Daniel. Donc faut que nous disons situation li toujours été mangomé dans niveau commune cabaret après attaque nèg exam fait et puis prend contrôle commissariat police là et puis yo meté di fè la dan hier dimanche 3 mars là ça passé vers 11h dans matin comme ça pendant attaque là faut nous signaler pas gain policier qui victime parce que
yo te getan désengagé yo information yo fait connait tout police yo te déjà libéré tout prisonnier qui te na garde à vie bien bonnet à cause yo te gen nouvelle qui t'a circulé sous commune là qui te fait quoi bandi yo t'a préparé pour attaquer et commissariat na attaque là gen moun qui mouri malheureusement gen plusieurs moun qui prend balle qui te obligé vin prendre soin dans l'hôpital oui parce que moun qui mouri c'est qui moun yo ye. Non, ça c'est moun qui était présent devant le commissariat qui prend balle, qui perdit la vie yo. Donc après il y a plusieurs autres qui blessé, qui obligé à prendre soin dans l'hôpital dans commune et à Kaye. Mais en pile dans cas ça obligé transférer yo dans notre centre hospitalier parce que l'hôpital dans commune à Kaye n'est pas équipé assez pour recevoir gens de cas ça. Faut nous signaler toute situation ça. Il était créé en pile panique dans niveau commune à Kaye parce que coup de balle t'a tiré tout partout dans ville là, ça qui était la cause population était obligé à courir dans toute direction dans commune et cabaret gain là-dedans yo qui prend direction 4e section communale Fond des Blancs qui trouve dans commune cabaret, c'est-à-dire ça c'est monde qui allé dans les hauteurs gain moun tout qui obligé venir dans commune à Kaye en façon pour qu'yo capable protéger tête yo contre gang yo qui tabli quartier général yo dans zone là. Mais faut nous dire Tanyo Wilner nèg yo yo pillé toute entreprise net qui gagne dans niveau commune cabaret hier parmi yo dépôt qui gagne coopérative en l'air yo pillé et en plus yo pillé tout ce qui ça le BNCA dans niveau cabaret. Mais nouvelle attaque ça qui fait sous commissariat cabaret ya, ça qui te créé en pile panique dans commune Akaye parce que commune Akaye ak cabaret c'est deux communes limitrophes, ça te gagne en pile panique dans niveau et Akaye parce que information t'a circulé qui fait quoi après attaque sous commissariat et cabaret ya, nèg t'a progressé pour venir dans commune Akaye pour prendre commissariat Akaye mais face avec vigilance et population ensemble avec la police donc nèg pas arrivé dans commune Akaye. Mais tension li toujours rete même genre commune Akaye et commune Akaye quand pile panique la donne nous pas même besoin parler pour niveau commune cabaret côté quand pile et panique cabaret majorité moun yo déjà quitté cette ville cabaret sénèg yo qui établi quartier général yo depuis hier vers 11h dans niveau et ville cabaret donc moun couri quitté et cabaret son situation d'instabilité générale qui gagne dans niveau arrondissement Akaye précisément dans commune cabaret. Bon de ça Pascal, est-ce que pas gon chiffre sous combien détenus qui étaient dans sous commissariat cabaret? Oui, et sous même ça Pascal, faut nous dire commissariat cabaret, c'est pour commissariat qui était gen moun. La pas de prisonniers là, donc c'est quelques moun qui étaient en garde à vue. On est obligé libérer moun ça bien bonnet parce que j'aime se dire information t'a circulé sous commune qui fait quoi nèg qui sorti dans niveau canaran yo y a préparé pour attaquer et commissariat effectivement nèg yo attaquer commissariat yo prend contrôle li yo mette difé donc c'est gang yo qui normalement dans commune cabaret depuis hier. Est-ce que magistrat Akaye a pour prononcer sous ça? Est-ce que il a annoncé disposition pour capable sécuriser commune Jean ou saute mentionné ça Pascal la commune Akaye avec cabaret et yo collé. Donc monsieur ça me penser Wilner dans moment pour venir là yo magistrat commune Akaye a supposé annoncer mesure qu'a prend pour sécuriser et commune là parce que quand on voit monde qui rentre dans commune là donc pour proverbe qui dit et malgré vol on va connaître ça mal ça fait mal quand plusieurs monde qui sorti cabaret qui déjà dans commune là c'est sûr que dans journée là magistrat commune Akaye Jean Etnergil il qui pour annoncer une série de mesures qu'a prend une manière pour protéger et commune face avec éventuelle attaque et nèg exam sous lui parce qu'il déjà prend cabaret donc focus là c'est sur commune Akaye qui lié dans moment ça qui crée panique faut nous signaler ça tout qu'il y a pile monde dans commune Akaye donc qui déjà prend monde pour eux face avec situation ça d'accord. Mais sans pile Pascal Fleury-Style.
Merci Daniel, merci Wilner. Donc nous là, depuis l'évolution de la situation, on a informé l'auditoire Radio Mégalo. À n'importe moment. Merci en pile. Nous tapons pas là avec Pascal Fleurissil. Pascal, c'est correspondant Radio Méga. Dans le niveau à Kayer, il tape décrit pour nous ça qui passait hier. Après attaque avec ZAM, Canarin, il fait sous commissariat Kabaria. Même doit rappeler Jean-Wilner Sévère. Même avec ZAM, ça y est. Dans Canara, c'est même Nèg Sayo qui était attaqué commissariat. Un bon repos qui était la cause. Gagné plusieurs policiers qui tombaient. Et apparemment, c'est ça qui est à la cause avant même Nèg arrivé sous commissariat Kabaria. Policiers, eux même ils ont obligé jeter eux et la guerre des mondes qui était dans garde à vue sous commissariat ça. Oui, 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 c'est ça sous dossier ça un peu sous commissariat ou bien commissariat, mais policiers pas arrêté puisque par rapport avec quantité Nèg examen qui a vu une jeune yo, yo pas capable faire face avec yo n'a pas appelé les amis auditeurs d'après information Pascal Fleur. Il monsieur non seulement mettait du feu dans son commissariat, mais tout yon pillé entreprise qui trouvait dans la ville. Et puis yon un succursale BNC qui la saki, vini créer yon vent panique dans mitan moun qui nan commune Akaye, puisque Akaye avec Kabaret yon a collé zami auditeur sous situation insécurité ça qui gagne en dan un pays côté Nèg Exam, c'est yon même qui a dominé actualité. On n'a pas avancé avec information yo. En attendant, nous aller dans diverses autres zones, notamment en bas la ville là pour nous connaître qui Jean Saïe et Jean Tidoulan, zone rentrée sud capitale là, li presque impossible pour capable traverser. Nous gagnons Wilson Raymond qui qu'on a habitué informer nous qui est en Tebanon premier élément information yo sous cette ville là, mais ça pas empêché nous faire l'autre contact dans pour Sainte-Ville Port-au-Prince, mais tout aller tous amis auditeurs dans commune Croix des Bouquets, puisque Jean Tedjoulan gagné prison civile Croix des Bouquets qui lui-même tout bandit et attaqué. On nous retourne sous question pénitentiaire nationale puisque au moins 30 corps étaient dans parage prison civile Port-au-Prince là hier dimanche. Selon yon décompte confrère nous Ralph Teddy Erol qui t'est rendu sur les lieux moun sa yo yote gen rad qui a fait par rapport avec uniforme prisonnier qui t'est sou yo capitale haïtienne Jean Tedjou dans un auditoire te connaît yon samedi 2 mars côté en pile coup de balle tap chanté c'était théâtre yon chaos affrontement entre bandi avec la police comme pressenti gang yo t'est passé à l'action côté de te attaquer puis grâce à carcéral pays en côté bandit et en pile bandit suite avec attaque ça plus passé 3000 prisonniers évadés parmi eux plusieurs qui a été arrêté pour crime et puis l'autre assassinat au moins 30 corps en maintenant parage pénitentiaire national selon yon un décompte approximatif photojournaliste Ralph Teddy Erol rad qui était sous yo était présagé c'était rad détenu qui t'a tenté sauver pendant affrontement entre la police avec bandi n'a pas appelé malgré un chaos qui était gain depuis 3 jours dans capitale là l'AMEA pas toujours mobilisé puis prison civile yo presque abandonné jusqu'à date même si nous connaît autorité haïtienne qui a annoncé couvre-feu sous département l'ouest pays d'Haïti. On toujours sur Antenne Radio Mega c'est plus gros réseau radio haïtien gagné dans monde là était là n'a venir.